Ça fait longtemps que je parlais de faire un vernissage sur le bateau. Je suis très heureux de le faire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une inspiration d'ailleurs? Comment ça t'est venu? Oui, j'ai eu une inspiration pour une tête en verre, de pouvoir l'habiller ou de la décorer ou de la peindre. Mais j'ai imaginé simplement de faire une coiffure dessus. Pour moi, c'est quoi? C'est du scotch pour délimiter? C'est délimité quand même, oui. Puis, oh, scotch. C'est la peinture qui fait les petites épaisseurs qu'on ressent ici. D'accord. Okay. Oui, c'est là où on voit la différence. Elle n'a pas été habillée complètement. Montrer un projet comme ça, une sculpture comme ça, je suis sûr que tu auras preneur. Directement chez les maisons de Champagne. Ouais, mais l'idée est bien. Ouais, la coiffure, j'aime bien. C'est un homme qui a des doigts en or. Il transforme, il a fabriqué des coussins de bateau, des voilures. Des nappes, de la couture, même de la haute couture, puisqu'il fabriquait des robes pour sa propre femme, que des pièces uniques. Et là, il y a quelque temps, il a commencé en fait au décès de sa maman. Il a été inspiré parce que justement, il a récupéré un tas d'objets dont personne ne voulait en fait. Et il a redonné vie à ces objets. Unusual, actually. Yeah, unusual, full of fantasy, so super bravo. Thank you very much, Veronica. Tu traduis? Ben, elle a dit que j'aime beaucoup cette fantaisie que je donne sur les peintures, et voilà, elle aime beaucoup. Alors, je te présente ce tableau. C'est une photo en noir et blanc assez mythique dans les années 50 que j'ai récupéré sur Diazot. C'est un photographe qui s'amusait dans le Mississippi à prendre quelques bluesmen ruraux, Mans Lipscomb, pas très très connu, mais un bon bluesman rural. Donc, photo en noir et blanc que moi j'ai adapté avec mes couleurs. Alors ce tableau, comme tu peux voir, Joël, j'ai travaillé beaucoup la couleur. La couleur et le mouvement. J'ai appelé ça Thérèse Boogieberg pour le mouvement. Un petit boogie au fin fond de Louisiane. Et une jolie dame, black, toujours black, qui chante et qui nous amène à la fin fond, au fin fond de la nuit. Avec sa danse, un bon shuffle. Donc je travaille sur les carreaux, sur les trapèzes, sur les triangles, les bandes, bon, les vagues, comme j'appelle ça, des vagues aussi. Hein. Je travaille comme ça, je mets l'objet devant moi, puis je crée quelque chose avec. Ah, c'est pas assez cher. Oui, c'est facile de dire ça, si personne n'achète derrière. Hein. Voilà. Non, je veux dire que c'est Lucio lui-même qui va faire son prix. Voilà. Les gens, ce qu'ils disent ou ce qu'ils disent non, pas. Mais là, oui. Pas non, mais c'est vrai que c'est. Oui, tout à fait. Vert, mais je pense que moi, je veux le dire à Lucio, au niveau du ZES, il faut qu'il monte ses prix parce que UZES, c'est déjà UZES, c'est très très cher. Le monsieur qui peint fait renaître des personnalités avec son coup de pinceau et papa fait revivre une bouteille qu'on aurait jetée à la poubelle. Voilà.
aller vers un public le plus large possible, quoi. Hors du commun. Ouais. Mmh. Merci. Lui permet oui. de faire ressortir ce qu'il a en lui. Mmh. Toi qui es artiste peintre, si un jour tu souhaites exposer tes peintures, ou venir avec un groupe de peintures, c'est un lieu qui s'y prête. Vous êtes des confrères pour Lucho ou des amis? Des amis. Des amis, oui. Oui, oui, mais c'est pas du tout dans l'air du temps ce qu'il fait, et moi j'aime bien quand c'est pas dans l'air du temps. J'aime vous bien, êtes vous-même Non, je suis proche du milieu, mais je le suis pas. C'est une maison, pourquoi ils appellent ça fait dodo? Parce que si tu veux, c'est deux appartements. Un ici, l'autre là. Les deux entrées ici. La chambre des parents était devant. Et c'est une maison tout en long donc. Les chambres des enfants étaient derrière et la cuisine en fond avec le backyard. Et pourquoi fait dodo la maison? Parce que quand les parents permettaient aux enfants d'aller au bal le soir, ils pouvaient se rendre compte à quelle heure ils rentraient parce qu'en fait ils étaient obligés de passer par la chambre des parents. Voilà. Beaucoup de couleurs. On peut imaginer la chaleur du bayou.